Bienvenue dans ce nouveau format baptisé Occultruc. Pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir le capteur de rêve, appelé plus communément l'attrape-rêve. L'attrape-rêve semble venir de la tribu amérindienne Ojibwe. Son but premier est de capter les rêves qui, selon les croyances, sont envoyés par les esprits. Les mauvais rêves resteraient coincés dans le filtre que forme le filet, pendant que les bons, plus légers, glisseraient le long des plumes pour atteindre ceux qui dorment. Au petit matin, les mauvais rêves seront brûlés par les premières lueurs du jour. C'est pourquoi il faut toujours placer l'attrape-rêve en direction du soleil levant. Beaucoup d'histoires existent sur cet objet car il a été répandu parmi toutes les tribus, et chacun a sa légende sur la façon dont il a été créé. Nous, on va plutôt s'intéresser à celle qui semble venir de la tribu d'origine, celle des Ojibwe. Au départ, une araignée appelée Asibikaachi, la mère araignée, protégeait les enfants de la tribu en tissant des toiles au-dessus de l'endroit où ils dormaient. Mais la tribu grandit tellement qu'elle fut obligée de se disperser sur le territoire. L'araignée n'étant plus capable de protéger tous les enfants, elle demanda aux femmes de l'aider en tissant une toile dans un cerceau de bois avec de la fibre végétale ou animale, continuant ainsi à perpétuer sa protection. Les Amérindiens ont une culture animiste, et contrairement à notre façon de voir l'araignée comme une mauvaise chose ou comme un danger, eux y voient plutôt un être de la nuit capable de les débarrasser des parasites. Il est donc normal de retrouver cet animal à travers une figure mythologique. Quant aux plumes rajoutées sur la trappe-rêve, elles semblent faire référence à l'aigle sacré. À la fois calme et léger, il est aussi puissant et protecteur. Il est très difficile de trouver des attrape-rêves d'origine, car tous les éléments qui le composent sont naturels, et donc périssables. Quelques tribus ont commencé à commercialiser cet objet dans les années 1960. D'abord très critiqué par les autres peuples amérindiens, ils se sont justifiés en expliquant qu'en vendant cet objet, plus personne ne ferait de mauvais rêves, et donc n'émettrait de mauvaises énergies. Aujourd'hui, les attrape-rêves sont vendus comme objets décoratifs. Cependant, il ne faut pas oublier leur côté mystique. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que le format vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez un attrape-rêve chez vous, et si vous connaissiez l'origine de cet objet. Quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour un nouveau moment de culture.